donc intersection d'une sphère et d'un plan, soit P un plan de l'espace et S une sphère de centre I et d'Orion R, on note D la distance de I à P. Ben, la même pour l'intersection, on va distinguer trois cas. Donc, premier cas, la distance D, distance de I à P, est plus grande Orion. J'ai une sphère là, une sphère de centre I, où le plan, il est là. Elle est la sphère S. On va projeter orthogonalement I sur le plan. On a un point H, H. On remarque que la distance IH, elle est la distance de I au plan, est égale à D, qui est strictement supérieur au rayon. Donc, il n'y a aucun contact. Ma femme a un point de contact. Ma femme a un point d'intersection. Donc, dans ce cas, S inter le plan est égal à l'ensemble vide. Ma femme a un point de contact. Ma femme a un point commun. Ma femme a un point d'intersection. Mais, deuxième cas. Deuxième cas, la distance D, liée à la distance 1000 I de plan, est égale au rayon. Qui fait ce cas avec donc, an, ça vous assure l'année. Vers le centre de la sphère, et la sphère elle est posée sur le plan. Le projeté orthogonal de I sur le plan P, voici le point H. C'est le plan P, c'est-à-dire la sphère S. Ou là, on remarque que D égale R. D égale R, c'est la sphère le plan. C'est un seul point de contact, le point H. Alors, là, la sphère inter le plan est égale au point H. Ben, comment déterminer les coordonnées de H? Comment déterminer le point H? Donc, on considère la droite heavy, ça met un delta. Cette droite delta, c'est la droite qui passe par un point très particulier, le centre de la sphère. Et son vecteur des vecteurs, c'est le vecteur normal du plan. Alors, le vecteur normal du plan, voilà. C'est le vecteur N. Donc delta, c'est la droite passant par D et deux vecteurs normal N. Alors delta inter P bestatina le point H. Et on va faire un exemple après le troisième cas. L'exemple troisième cas, il y a l'exemple à deuxième cas ou à troisième cas. Ben. Troisième cas, c'est le cas le plus important.
Troisième cas. Bye.